Bien, camarades, ça fait 2 mois que nous sommes mobilisés contre la réforme des retraites. Ça fait 2 mois que nous manifestons dans la rue pacifiquement pour dire au gouvernement que nous refusons sa réforme, que nous ne souhaitons pas travailler 2 ans de plus, parce que c'est la classe ouvrière qui produit la richesse dans ce pays, et que le problème des retraites, ce n'est pas un problème de financement. Camarades, le président de la République a perdu la bataille de l'opinion. Le président de la République a perdu la bataille des syndicats. Le président de la République a perdu la bataille au niveau du Parlement. Il était bien obligé aujourd'hui d'avoir recours au 49-3. Donc c'est un déni de démocratie pour une réforme de telle ampleur qui va impacter des millions de salariés, qui va appauvrir des millions de travailleurs. Nous refusons. Les secrétaires généraux de nos confédérations vont se réunir d'ici 1 heure pour faire une déclaration. L'intersyndicale de La Réunion se réunira demain matin pour prendre une position ferme, pour appeler l'ensemble des travailleurs à se mobiliser dès lundi matin contre cette réforme. Pour l'instant, dès demain, partout où on peut se mobiliser, partout où on peut encore tracter, partout où on peut encore diffuser dans les ronds-points, l'intersyndicale soutiendra toutes ces initiatives. Camarades, tout est devant nous. Nous savons maintenant que c'est la lutte des classes qui tranchera. Nous savons que c'est la rue qui tranchera, puisque le gouvernement n'a pas la majorité et il est en partie en minorité. Donc nous continuerons cette bataille. L'intersyndicale réunie autour des non aux 64 ans, non aux 43 annuités de cotisation. Nous sommes tous unis pour faire reculer le gouvernement et coûte que coûte, mes camarades, et s'il y a un conflit, c'est le gouvernement qui portera l'entière responsabilité. Merci. No!